Touré. D'accord. Pour enchérir, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais tu ne t'appelles pas pour enchérir. Tu t'appelles Ami Touré. À partir d'aujourd'hui, appelez-la Ami Touré. En parenthèse. Enchérir. Alors. Méchant ça. Ami, le parcours. Oui. Ouais, c'est une belle jeune fille. Donc, vous avez. Oui. Le parcours scolaire, Ami sort d'où, c'est quoi, vous avez fait quoi jusqu'à ce qu'on vous découvre aujourd'hui? Voilà, merci. Je suis une jeune fille de 24 ans. Je suis diplômée d'un BTS en ressources humaines et d'une licence en gestion des entreprises. Non, on revient dessus. Oui, BTS en ressources humaines. Oui, tout à fait. Et puis, une licence en gestion des entreprises. Une licence en gestion d'entreprise. Oui, à Pigé. À Pigé, ok. Côte d'Ivoire. Donc, Ami Touré, c'est une jeune fille qui en a beaucoup là-dedans. Voilà. Et actuellement, je termine mes masters en marketing, toujours à Pigé. Okay. Que je salue de passage parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Le nom de l'école, là, faut pas dire ça parce que chez nous, c'est plus. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on sait que tu es à l'école. D'accord. Vas-y, tu manges placalé. Oui, je mange. Non, Gombo. Moi, je veux savoir. Tu sais, moi, je suis une affairée. D'accord. Tout le monde ici est affairée. Okay. Ils savent que comme je suis là, là, c'est pour donner les informations. Toi, tu es docteur de ça. Voilà. D'accord. On est ici, on pose des questions chic. Mm-hmm. Donc, comme Miss Côte d'Ivoire, mm-hmm. on a entendu les petits que non, la première truc Dauphine a dit qu'elle avait, elle avait déjà dit avant qu'elle allait gagner, elle était déjà sûre qu'elle avait gagné et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Vraiment. Si on ment pas, il y a un feu vraiment. Bizarre à l'entrée. C'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai. Non, parce que moi, j'ai pas reçu cette information, non, je l'ai pas entendu dire. Uh-huh. Donc, je ne peux pas l'affirmer. Voilà, parce que j'étais pas présente, j'étais pas là. Uh-huh. Donc, pour moi. C'est pas vrai, parce que je n'étais pas présente. Et on est comme des sœurs. On est comme des sœurs aujourd'hui. Ouais, on est comme des avec sœurs. Avec toutes les candidates vraiment, oui, parce qu'on est ensemble, on se voit, on se cause, on a un groupe qu'on a créé. Voilà, on prévoit des sorties. Et, pardon, hein. Comment vous faites pour trouver les parrains, là? C'est comment? C'est quoi, parrain? Le parrain? Les parrains, on vous envoie à Dubaï, là. C'est comment? Tu as pris la balle et puis tu as lancé. Des parents. Les parrains. T'as pas eu de parrains, toi? Pardon. T'as pas eu de parents? Pardon. La fille, là, elle n'a pas de parrains. T'as pas eu de parrains? Voilà, elle est seule. Non, elle va à l'école. Elle veut sortir communicatrice. Elle a des diplômes. En fait, moi, je pense que c'est de l'éducation de chacune. Parce que je ne pense pas que Miss Côte d'Ivoire, au fait, peut te changer. Tu viens avec ton éducation. Non, vraiment, si tu cherches quelque chose... C'est ton problème. Alors, attends, il va t'expliquer. Voilà. Tu sais, ici, il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Non, il n'y a pas des choses qui sont. Toi-même, tu es une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a les questions que toi-même, tu peux répondre. En fait, c'est une personne, peut-être parce que tu n'as pas grand moyen. D'accord. Qui, voilà, peut-être qui représente une région et tout ça, qui te soutient financièrement. Ah, d'accord. Est-ce que toi, t'en as eu? Les autorités. Ça peut être une personne lambda aussi. Hein. Les autorités, en fait, oui, de ta région, voilà, qui peuvent te soutenir, qui peuvent être là présents pour toi, ou bien ton école aussi, qui peut aussi t'aider. Mais pourquoi elle vous envoie à Dubaï? C'est soutien. D'accord, d'accord. Bon, ça c'est bon. Non, il y a quelque chose. Là, je comprends pas. Moi, j'ai quelque chose. Ça fait de Dubaï, là, je comprends pas. Tu n'es jamais parti à Dubaï. Si, mais bon. Y'a jour, y'a jour, y'a jour.